Ok. Ah, excellent ce Joël. Je sais pas si j'avais vraiment fait tout le tour. Waouh, ici. Waouh, il est juste énorme. Regardez ça. Énorme, énorme. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes! 300 kilos de plantes. Ah, c'est une merveille ce jeu. On fait un peu le tour, hein, les amis. Le nom Gallimimus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Ah ouais, celui-là c'est. C'est les vélociraptors, ça non? C'est pas ça? Ah non, même pas. Non. Ah, le triceratops. Voilà. Ah, je confonds. Triceratops signifie tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Oh que oui. Triceratops. Ok. On va continuer la visite. D'accord. Bon, on fait son petit tour, comme d'hab. Ici, on a quoi? Hop, ça s'allait là. Oh, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Parce que t'es vieux. Ça c'est dit. C'est quoi ça? Ouais, ce sont des... Ouais, ok, bon. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Dans le film que j'ai vu. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ouais, j'ai vérifié si le son était bon. Voilà, c'est impeccable. Bon. Oh, il fallait passer, je sais plus. Est-ce que cette salle-là, je l'avais fait ou pas? Je sais plus du tout. Ah, bah oui. Ça, je l'ai fait, faut passer à l'étage. Ceux-là, je les avais. Attendez. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeauzor. Un chapeauzor. Ouais. Bon, ça, on l'avait vu. Allez, on va passer là-haut. T'allais souvent au musée? Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Une girafe. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois? Bon, bah le chapeau, on va le laisser. Il parle de l'extinction des dinosaures, à mon avis.
D'accord. Waouh, magnifique. Ah, si c'est avec les planètes. Tu savais qu'il y avait ça ? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Ouais, tout le système solaire. La planète est là-bas, la Terre plutôt. Allez, on va faire le tour, on va regarder avant. Les différentes fusées, ouais. Ah d'accord. Eh, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace ? C'est un singe. Ah, ça, je sais, c'était un singe. Ouais. Non, des mouches. Ouais, en 1947. Des mouches ? C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Ah d'accord. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. J'ai toujours cru que c'était un singe. En super mouche. Quoi ? Non. Non, apparemment c'est le Japon, les États-Unis. Les États-Unis ont envoyé énormément de fusées. Soyouz, Titan 2, Japonais ici, États-Unis. Ah non, c'est les Russes. Non, c'est russe ça. Ouais, c'est le drapeau de la Russie. Excusez-moi, je me trompe. C'est bien le drapeau de la Russie. Waouh. Ouais. T'en as d'autres des infos marrantes ? C'est vrai que c'est les Russes. La Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça c'est marrant. Mais attends, comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches et qu'ils les ont sentis après. Ouah, tous les détails de ce jeu, c'est dingue. Regardez même les effets de lumière. On voit même à travers, vous voyez, il y a un effet de lumière ici dans ce... derrière le mur. Ok, et maintenant ? C'est une tuerie ce jeu. T'as qu'à me poser des questions. J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace? Ah, oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire? Gagarin. Je sais pas comment on le prononce. Je l'ai seulement lu. Enfin bref. Gagarin. Il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste? Alors ici... Ah, super beau le dessin. Un jour... Ah, ça c'est les... premiers véhicules qui te permettent de se déplacer sur la Lune. Ah, ça c'est les différents satellites. Ouais. Mir. Bon, Mir, je connais. Après le reste, Skylab, j'en souviens pas trop. Soyouz. Ouais, ça aussi, c'est connu. Et ça, c'est la première station spatiale. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est fou. Hein. International Space Station. Ça c'est que Mir, ouais. C'est un satellite ça, ou du moins. Ouais, si, c'est les satellites, je pense. Ouais, c'est incroyable ce que l'homme a pu déjà réaliser. Hein. Wow. Les différentes combinaisons. Mercury. Ça va être génial d'aller pouvoir en vrai aller visiter ce genre de musée. Pas trop là-dedans. Ça sent l'espace. Et la trace. Ça sent l'espace. Bon. Ok. Et c'est tous les casques. Ouais, c'est vraiment top. Hein. Je sais pas si je peux prendre une photo, justement. On peut pas prendre une photo ?
Je sais plus comment on fait. Non, on peut pas. Je sais plus comment on fait. Attendez. Ouais. Capture d'écran. Il n'y a pas assez de lumière malheureusement. Ouais, faut que je fasse comme ça. La capture d'écran, voilà. Voilà. Après toi. On devrait peut-être retirer son casque, non? C'est génial. La tête. Oh, c'est genre de, c'est le genre de musée qui me plairait bien, ça. C'est dingue. Ouais. Est-ce que je peux prendre une capture? Ouais. Chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est vraiment génial, hein. Ah, superbe ce passage-là dans le musée. Hein. Ça me donne des frissons. Hein. Superbe souvenir pour Ellie, hein. Ouais, okay. Franchement. Allez.
Un petit pince. Waouh, génial, ce passage-là est vraiment génial. Avec découvert des dinosaures et tout ça. Ouais. Regardez les différentes combinaisons. Ouais, c'est impressionnant. Hein. SPD 143. Space Suite. Ouais, vraiment magnifique. Apollo 11. Oh, c'est vraiment une tuerie ce jeu. Bon, alors du coup Joël est passé où? Ah, il est là. Ah, j'ai pas vu le truc du véhicule ici. Le LRV, le Lunar, ouais. Ouais, premier véhicule sur la Lune. Ouais. Bien foutu quand même. C'est dingue. Ouais, c'est incroyable la progression. Attends. Il va se passer quelque chose, non? Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Oui. Comment tu vas y aller? Complètement effondré en fait, ouais. Ah. Non, là on peut pas. Ah ah. Est-ce qu'on va devoir y aller? Aller dans l'eau. Ah, c'est super des musées comme ça. Hein. Le genre de musée là, franchement, en réalité, j'aimerais bien les visiter aussi. Vraiment top. Bah, je pense qu'on va aller dans l'eau, hein. Pas le choix, non? À mon avis. Je sais pas, j'ai peut-être sauvegardé, non? Ouais, allez, on va sauvegarder. Voilà. Oh, je pourrais plus faire comme ça, voilà. Ouais, hop. Allez. Voilà. Fallait faire que ça. Et dans l'eau, c'est tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Je veux que ça éclabousse. Excusez-moi. Geronimo! Génial. Allez, c'est parti, on continue la visite. Petit moment détente dans ce jeu. Moment bien sympathique avec Joël. Natural History Center. Hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez, courte échelle. Allez. Vas-y. Waouh. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte.
Essaie de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. On va se retrouver. On va se retrouver un petit peu seul. On va se retrouver un peu seul là. Joël malheureusement peut pas passer. Ouais. Wow. Centre d'histoire naturelle. Animaux d'Amérique du Nord. Ok. Alors moi je me promène, je le temps, je prends mon temps. Alors que Joël lui fait le tour. Bon, allez, on va passer par là. Ça n'a pas trop le choix. Ah, je prends le temps d'observer quand même. Hein. Waouh, superbe. Oh, garde le moral, mon vieux. C'est vrai, je pense pas de faire des captures d'écran. Hein. Ça, c'est rare. En voilà un qui en manque de câlin. J'ai tué pour eux. Sympa. D'accord. Waouh. Ouais, détails, tous les détails, regardez, le long de l'usure de la peinture, la saleté sur les murs. Ah non, mais ils ont mis les moyens là, Naughty Dog. Graphiquement, tous les détails, ouais. Ouais, le bison ici est énorme. Impressionnant quand même. Hein. Ah, une petite carte, ça. Hop, Sora. C'est quoi? Moi, c'est un dinosaure. Ok. Ah, c'est beau ça. Juste magnifique. Il fait sombre ici. Waouh. Je sais pas si je peux faire une petite capture comme ça. Ouais. Ouais, c'est toutes les différentes espèces d'oiseaux. Mmh. Et quatre soldats à l'entrée. Le dernier a pleuré. D'accord. Oh. C'est pas rassurant ça par contre. Ça par contre ce genre de bruit là j'aime pas. C'est plus du tout la même ambiance d'un seul coup. Ouais. Pas beaucoup de balles, on en a que 5. Oh, on va devoir se soigner. Ouais ouais ça c'est... Restez prudent, on reste accroupi, hein. Ouais. Ah. Ah là, le début de cette visite était bien sympa, mais là on repart tout de suite sur une ambiance un petit peu. Oh, je sais pas si je.
Je sais pas. Bon, allez, on va se remettre normalement. On va rester prudent quand même. Hein. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière la porte là. What, c'est quoi ça? Montre-toi, putain. C'est quoi ça? Ah, ça me fait flipper d'un seul coup. L'ambiance d'un seul coup a descendu. On repart dans l'angoisse. Comment je vais faire? Voilà, un petit effet de surprise, je crois. On récupère du tissu. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se fabriquer? Parce qu'on n'a pas grand chose qu'on fait dans l'inventaire. Hein. Non. De toute façon, là, on peut pas y passer. Ah, je pense pas. Ça m'étonnerait. Allez. Il n'y a pas. Il faut rentrer à l'intérieur. Pas trop le choix. Waouh, cette ambiance. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Pas rassurant quand même, hein? Et pas du tout. Allez, on essaie de récupérer ce qu'on peut. Voilà. Ici. Alors, est-ce qu'on peut crafter? Non. Mes premiers souvenirs avant l'épidémie, la cruauté et la sauvagerie. Ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne peux plus faire partie de ce monde. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face. Ouais. D'accord. Allez, on récupère quelques munitions. Ouais. J'ai bien fouillé partout, hein. Ouais. Bon, bah on y va. Il n'y a pas de lumière. Ah. Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de ce... Oh. What? Putain d'animaux en toc. Joli loup. C'est vraiment bien représenté, hein. Animaux en toc. Ici. Ah, c'est assez angoissant. Alors, autant que début, la visite était agréable, mais là. Ah, ah, c'est quoi ce truc? Non mais sérieux ?
Ça m'a fait flipper ce machin là. Hey, coucou Johan. Salut Johan. Merci pour le partage Johan, merci, j'espère que ça va. Salut Dante. Coucou Dante, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va en tout cas. Ça fait plaisir de vous revoir. Impeccable. Ces petits quelques jours d'absence. Waouh, wow, ça m'a fait flipper ce truc. Rien, c'était juste un animal. Un sanglier peut-être, je sais pas. Ouais, y a pas de soucis, Johan. Bah, y a pas de problème. Bon appétit, Johan. Bon app à toi et puis et à tout de suite. On se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop. On est jusque 13h de toute façon. C'est sympa ce passage avec Joël. Tu viens. Ah, je vois que t'as terminé le jour. Ouais, voilà. J'ai pas rejoué depuis 4 jours. Hein. J'ai pas rejoué dessus depuis 4 jours. De toute façon, j'y joue pas entre deux. Je n'y joue pas entre deux. Voilà, au moment où vous voyez la fin d'un live, je reprends au même endroit. Hein, voilà. Voilà. Et là, on est sur jour 2. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Voilà, un petit live matinal, peut-être cet après-midi, j'en ferai un. Hein. Ça dépendra un petit peu comment ça va aller. Voilà. Joli souvenir là avec Joël. Hein, dans ce fameux musée. On a l'occasion de découvrir des dinosaures. Les différentes. Tout ce qui est différent méthode pour aller sur la Lune. Voilà. Ah, t'étais pas arrivé là, Dante, la dernière fois, d'accord. En tout cas, j'espère que vous allez bien et un grand merci de faire un petit coucou. Voilà, ça fait plaisir. Allez, on s'entraîne un peu, on fait un petit morceau de guitare. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as reçu ta carte graphique? Ah bah c'est cool. Ah bah je pense qu'à mon avis, ça a dû fonctionner parce que sinon tu m'aurais peut-être contacté. Alors je sais pas si j'aurais pu te répondre parce que là, pendant 3-4 jours, j'ai pas été très très actif. Oh, j'ai fait quelques petits retweets là sur Twitter, mais rien de bien plus. Hein. J'ai pas été vraiment actif ces derniers temps. Hein. Voilà, c'était pas trop top. Faites glisser. Alors j'espère que ça fonctionne bien pour toi la carte graphique. Dis-moi un petit peu ce que ça donne. Parce que je pense qu'à mon avis, si ça aurait pas fonctionné, tu m'aurais... Ah bah c'est génial. Ah bah c'est cool. Ah mais je suis bien content pour toi Dante que tout fonctionne. Tout fonctionne à merveille. Voilà, et puis que j'ai pu t'éclairer un petit peu concernant le choix de ta carte. C'est vrai que quand t'as pas trop de connaissances, on a tout le temps un petit doute à savoir si c'est compatible ou pas, et je vois que ça fonctionne. J'ai juste un petit problème avec la RAM, et je pense que c'est parce que... Ouais, peut-être... ouais, tu sais quoi exactement? J'ai comme 30% d'utilisé, même si j'ai rien d'ouvert. Ah ouais, t'as peut-être un programme qui pompe un peu derrière, ouais. Mais bon, 30%, c'est pas trop dramatique, ça va encore. Hein. Voilà, je m'en souviens plus combien tu avais. Tu avais 16, je crois, hein, 16 gigas de mémoire. Hein. Si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Ou 8, je sais plus. Par contre, 8, c'est peut-être un peu juste. Mais bon, 30 gigas, après, il y a peut-être un antivirus ou un programme qui pompe derrière. Il faut arriver à le trouver. Ah ouais, t'as que 8 gigas. Ouais, c'est un peu limite. Ouais, j'avoue. 8 gigas. Après, c'est encore à voir. Là, par contre, le problème, c'est qu'il faut... Il faut trouver une mémoire qui est compatible avec celle que tu as d'avance ou complètement changer celle d'origine. Mais alors là, c'est la mémoire, c'est un peu plus complexe hein. Parce qu'il faut voir les fréquences, il faut voir au niveau de la fréquence ce que ça donne au niveau de la compatibilité au niveau de ta carte mère. Bon, qu'est-ce que je dois faire en fait? Oh, je suis faux, hein. J'ai pas joué de la guitare moi. J'ai une de mes filles qui en fait, d'ailleurs. Je sais que ma fille, une de mes filles en fait. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense qu'à mon avis, on peut pas... Bon, j'arrête le massacre. Oui, la RAM, ça peut attendre. Bah, ouais, bah déjà, la carte graphique, le fait d'améliorer la carte graphique, c'est déjà un petit plus pour ton PC. Hein. Voilà, c'est déjà un petit plus. Et puis ça, tu vas avoir déjà... un rendu visuel bien plus confortable par rapport à ce que tu avais avant. Ah, mais je suis bien content que ça fonctionne pour toi. Ah, bah, il n'y a pas de souci, Dante. Voilà, pas de doute. Après, c'est vrai que j'ai pas apporté une aide des plus extraordinaires. J'ai apporté un petit peu quelques conseils.
Même si tu avais un doute sur l'achat de ta carte, ça t'a juste permis de dire voilà, ça c'est possible, c'est ou c'est pas possible. C'est juste ça. Hein. Puis je vois que tu t'es bien débrouillé hein, pour la remplacer, etc. Donc voilà, c'est pas moi qui ai fait le plus dur. Hein. Voilà, les petits conseils, des conseils quelquefois, ça peut juste retirer le doute d'un achat sur un achat. Voilà, c'est surtout ça. En tout cas, je suis bien content, ça me fait le plaisir de voir que tout fonctionne. Voilà, il est juste magnifique ce jeu. Hein. Franchement, ce jeu-là, encore une fois, Naughty Dog, bravo à vous pour cette réalisation, mais c'est juste une tuerie. Ah ouais, y a d'autres personnes qui n'avaient pas réussi à te conseiller ou ils n'avaient pas trop prêté attention. Ouais, bon, après, je connais pas tout à 100% non plus au niveau informatique. Mais bon, si je peux éventuellement aider, moi, ça me fait plaisir. Hein. Voilà, c'est surtout ça me fait plaisir. Alors, ici, on va voir un peu ce que ça pourrait donner. Voilà, on fait le tour comme d'habitude. Hein, il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà, vous me dites si ça passe bien au niveau du son. Déjà, n'oubliez pas de me le signaler si c'est pas bon pour vous. Voilà, je suis pas dans le but, c'est pas de vous casser les oreilles. Ah ouais, tu fais double écran. Ah oui, bah ça c'est vraiment top. Hein. Ouais, peut-être un double avec le port HDMI, hein, un double port HDMI. Ça c'est vraiment génial. Ouais, tu peux faire ça. Peut-être qu'avec l'ancienne carte graphique tu pouvais pas. Alors ici, après je te dis par la suite si tu veux changer ta barrette de mémoire, moi je peux encore te conseiller ce que tu peux prendre et voir. On va voir au niveau de la ce qui est compatible par rapport aux différentes marques. Hein. Parce que tu as des cartes mères qui ne prennent pas telle et telle marque. Hein, voilà. Généralement, il y a un petit listing hein, sur la carte mère qui te dit voilà, votre carte mère est compatible avec Corsair, avec du J-Skill ou autre. Hein. Voilà, il y a tellement de marques différentes dans les barrettes mémoire. Et quelquefois, c'est signalé s'ils ne sont pas compatibles avec telle et telle marque. Hein, voilà, ça peut. Je suis déjà venu ici en fait. Ouais, ici je m'en souviens, je suis déjà vu. Pour l'instant, il n'y a pas trop de son. Ouais, c'est vrai que à part quelques pas, les petits pas de Ellie, ouais, c'est vrai que le son est pas. Faut voir au niveau ambiance. Dès qu'il va y avoir du mouvement, faut voir si ça casse pas les oreilles. En tout cas, merci du retour. Voilà, puis. On essaiera peut-être cet après-midi. Alors, par contre, je sais pas à quelle heure je vais pouvoir me libérer. Voilà, parce que j'ai des trucs de prévu et voir aussi si ça va aller pour moi. Mais j'essaierai certainement de refaire continuer l'aventure. Voilà. Par contre, ici. Ah ouais, il fallait passer là. Attendez, si c'est ça, je m'en souviens plus d'ici. Oh là, c'est quoi ça? Waouh! Elle est bien malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Le J'ai repas pas de trop midi a envie de pas la voir. passé. Carrément. Oh, elle est enceinte, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais Tu oublié qu'elle devrais était l'avoir. enceinte. Il y avait un faux contact. Donc les nausées, c'est C'est pas normal. très bon. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen. Ouais. Il a disparu. Ils sont en train de faire un petit check-up. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au Ouais, secteur 2. Alors, communique par les radio chiffres aussi. indiquent des secteurs. La Ouais. station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Bon, je pense qu'on devrait y aller sûrement dans ce secteur 2. Il y a grande chance. Ça fait du bien. Écoute, suis vraiment désolée pour la nuit dernière. Mais ce jeu, c'est une tuerie. Hein. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles.
des limas à proximité. Combien de cas? À vous. Ce ne sont pas des cas. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense? Un homme seul armé, Tony. Ah, d'accord. Ah. En fait, j'en suis pas tout à fait sûr. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12... Ouais. Je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. Hillcrest. D'accord. Bon, on en sait un peu plus. Mais quand tu commences à déjà rien qu'à le démarrer ce jeu, à chaque étape c'est un plaisir d'y rejouer à chaque fois, même si tu t'es 3-4 jours sans y jouer. Ouais, c'est pas la forme. Hein. C'est pas top top. Dina est... Je vais le retrouver. Malheureusement... T'es arrivé à quel jour, toi, Dante? T'es sur quel jour? Tiens, mais ça. Petit bracelet souvenir. Je crois pas en la chance. Ah, jour 5 quand même. Ah ouais, t'as bien avancé. Oui. Ah, GG. T'as pas joué non plus? Bah moi j'y rejoue pas parce que bon, comme j'avais dit, hein, il y a que sur Twitch que vous allez redécouvrir la suite de cette aventure. Parce que ça serait dommage, je pense, que de pas vous le faire découvrir avec voilà, avec une suite, voilà. C'est le bon endroit. Ouais, c'est le bon endroit. Waouh, ce truc. Ça tire de tous les côtés. Ça doit être Tommy. Bon, bah, on va essayer d'avancer prudemment. Je sais pas si ici je peux passer par au-dessus. Bon, moi je vais essayer d'explorer un maximum. Hein. Voilà, je vais essayer de passer vraiment. Je vais essayer de passer à l'intérieur de ce bâtiment. On va voir, peut-être que je devrais, peut-être pas. On verra. Je prends peut-être des risques. Voilà, mais il faut que je récupère un maximum de trucs pour crafter. Enfin, tes tests, des essais avec ma carte. Ah, tu fais quelques tests, d'accord. Alors, j'ai un test à faire et j'ai ma carte de fil, donc je... Ouais, ok, pas de soucis. Hein. Voilà, tu peux faire éventuellement un petit benchmark. Hein. Voilà, il y a 3D Mark, le logiciel 3D Mark. Je connais, je sais pas si tu connais un petit peu. Voir un petit peu ce qu'elle a, un petit peu ce qu'elle peut éventuellement proposer au niveau des différents tests. Alors, les benchmarks, ça va te donner un score, hein, un petit peu sur la capacité... T'as des benchmarks pour ton CPU, un benchmark pour la carte graphique. Voilà, moi j'ai... Il y a 3D Mark qui est assez connu aussi, hein, voilà. Il est gratuit de toute façon, hein, c'est le genre de test qu'il est gratuit. Ça te donne un petit peu quelques scores de... voilà, je sais pas qu'est-ce que... Par contre, tu as pris quoi comme carte graphique? T'es parti sur quoi, je m'en souviens plus. Du Asus, je pense que ça, hein. Mais là, en vrai... T'as terminé le chapitre le plus long. Ah, c'est Gigabyte. Ah oui, d'accord. Ouais, très bonne marque. Ouais, moi, je prends en matériel informatique, je prends plus que ça. Enfin, c'est Gigabyte. Moi, c'est du Aorus. C'est une marque qui fait partie de Gigabyte également. Là, la carte graphique de mon PC de stream, c'est une Gigabyte. Carte graphique de mon PC de jeu, c'est une Aorus. Voilà. Une 1080 Ti. Qui fonctionne encore très bien, d'ailleurs. Mais je verrai par la suite pour la changer. J'entends un petit peu la sortie du nouveau GPU Nvidia, la série 3000. Je verrai pour la changer, mais pas prendre une carte pour du 4K, c'est pas un écran 4K. Moi je tourne qu'en 2K et ça sert à rien d'investir dans une carte qui te donne des résolutions incroyables parce que c'est inutile tout simplement. Voilà. Alors là, je suis encore avec l'ancienne version des GPU Nvidia. C'est les Pascal, je pense, ceux-là. Je sais plus. Enfin, bref. Bon, 1080 Ti marche encore très, très, très bien. J'arrive encore à avoir des bons scores au niveau FPS. Voilà. Ah ouais, pas de commentaires négatifs comme quoi elle chauffait, faisait du bruit. Ouais, non, mais
Moi, je trouve que Asus, moi j'en ai eu pendant pas mal d'années. Moi, j'ai un gros regret, c'est que Asus ne met jamais à jour soit ses BIOS ou ses logiciels. Il laisse complètement tomber la mise à jour de ses différents logiciels. Et moi, j'ai une mise à jour d'un logiciel ou d'un BIOS, c'est important. C'est que pour améliorer les performances ou régler quelques bugs. Et ça Asus le fait de moins en moins. C'est pour ça que j'ai un peu changé de marque, en fait. Alors, on regarde un petit peu ici. Ils nous prennent pour des boutons. Montrer l'écran. Ça me dit quelque chose, ça. Ce genre d'affiche me dit quelque chose. Ah non, je l'avais pas récupéré, vous voyez. Allez, on va continuer à fouiller. Ouais, puis quelquefois, c'est pas parce que c'est du Asus que c'est pas le plus performant au niveau bruit, etc. Au niveau performance, hein, voilà. Ça dépend. Alors ici, on va regarder un peu. Il se passe quoi ici? On a personne. Non. Alors voilà, je pense comme on a vu, on va éteindre la lampe, il n'y a pas besoin d'avoir la torche. Voilà. On est dans une laverie ici, d'accord, superbe. Faut quand même vérifier s'il n'y a pas de danger quelque part. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, après Gigabyte, bon après il y en a qui aiment bien la marque, il y en a qui aiment moins bien, voilà, mais franchement... Moi j'ai une carte, ma carte graphique pour mon PC de stream, c'est une 980 en gigabyte. Ça doit faire 5-6 ans, je la possède et j'ai jamais eu aucun souci avec. Ah, attendez, Yeller, j'arrive les amis, petite pause, je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, ouais, tout le monde, j'ai bien remis l'écran, oui, c'est bon. Impeccable. Donc voilà, après on peut également retomber hein, sur des cartes défectueuses de la part de Gigabyte ou Aorus, hein, ça peut arriver aussi, hein, mais bon. Moi franchement, depuis le temps que j'ai changé de marque, j'en suis satisfait. Voilà. Donc ici, rien de particulier. On va faire le tour, voir si vraiment j'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut crafter ou pas? Ah, ici c'est quoi? Quelques petites indications dans le journal que je n'aurais pas lu. Ok. J'ai remis le micro. Oui, le micro est remis. Petit fusil à pompe. Ça, j'adore ce fusil à pompe. Alors, ici. Hop là. Allez, on va avancer discrètement. Voilà, on ne sait jamais, on reste prudent bien sûr, comme d'habitude, ici, règle du WF en vigueur, toutes les instructions des soldats du WF doivent être suivies, les collaborateurs de la FEDRA seront exécutés, toute sortie d'une zone attribuée est soumise à autorisation, le couvre-feu s'applique jusqu'à nouvel ordre. Ok. D'accord. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de danger pour l'instant, mais je me méfie. Là, on va aller faire un petit tour dans ce petit magasin de vêtements, on dirait. Voilà. Allez, on continue. On continue à explorer. Hop. Bon, bah rien dans le tiroir. Dommage.
Voilà, j'ai refait quelques petits réglages hein, au niveau de la sensibilité du joystick. Ça va un peu mieux. C'est quoi ça? Hop. Oh, on va certainement devoir rentrer à l'intérieur. Et vu que je suis quelqu'un qui est curieux, eh ben on va aller voir ce qui s'y passe dans ce fameux, dans cette cave. Je sais pas si c'est une cave, j'en sais rien. Alors ici, c'est pareil, les ouvertures de portes, j'aime pas trop. Généralement, c'est, ça me fait tout le temps flipper. Ah bah d'accord. Bon, il y a rien de particulier. À part le coin poubelle, c'est tout. Quand même, aller voir quelquefois s'il y a pas des petits trucs à récupérer, on ne sait jamais. Hein. Non. Ok. Bon, c'est pas grave. On va continuer à aller voir. Ah voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller découvrir la conférence Ubisoft qui avait eu lieu le 12, il me semble. Hein. Alors, je l'ai remis un petit peu sur YouTube. Il y a des jeux vraiment comme le prochain Assassin's Creed va. Bah, ça, d'entrée, c'est le genre de jeu que je vais acheter. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. J'aime bien tout ce qui est univers viking. Hein. Voilà. Cette époque-là, j'adore ça. Alors ça déjà, et on a vu du gameplay d'ailleurs, on a vu du gameplay qui m'a complètement surpris et qui bah ce fameux gameplay me dit, purée là, je pense qu'ils ont fait fort. Alors peut-être pas trop s'emballer, hein, parce que ça reste encore du Ubisoft. Moi j'aime bien quand même, hein, on a beau dire Ubisoft c'est critiqué. Bon en ce moment avec ce qui se passe aussi, je pense que tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe avec certaines accusations, etc. Bon, faut que ça reste, ce problème-là, il faut qu'il soit résolu, c'est sûr que c'est pas normal. Pas normal de certains comportements. Ça, il faut que ce soit obligatoirement réglé par la justice, etc. Donc, on fait un petit passe-traption à tout ça. Mais j'espère que ça ne jouera pas trop pour la suite des jeux. Hein. Voilà. De toute façon, je pense que au moment de la sortie, je pense qu'il risque de bien marcher. Ce fameux Valhalla, j'espère que je prononce bien. Oh, c'est bien, on a un petit établi ici. Et donc, il y a ça qui m'a fait un peu de l'œil. Et puis, le dernier Watch Dog. Voilà, le dernier Watch Dog me surprend pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'ai regardé, mais aucune surprise, malheureusement. Tout a leak. Ah ouais, d'accord, ok, Dante. Ok. Oui, mais le gameplay... Ils ont évidemment pas montré les nombreux bugs qu'on y trouve. Ouais, après, ça reste encore un petit peu de la bêta, etc. Bon, des bugs, il y en aura tout le temps, de toute façon, ça, c'est sûr. Ça reste les jeux Ubi, malheureusement. Mais moi, c'est cet univers de Viking qui m'attire le plus. Alors, peut-être que je vais peut-être un peu trop m'enflammer ou m'emballer sur cette licence-là. Moi j'ai été un petit peu déçu du dernier là, Odyssey. Hein. Odyssey m'a pas happé complètement. Je l'ai même, d'ailleurs même pas fini. De toute façon, je pense que je le continuerai par la suite. Une fois j'ai vraiment fini The Last of Us, je vais certainement essayer de continuer à y jouer, soit en dehors de Twitch ou autre. On verra bien. J'ai préféré largement Origin, qui était pour moi bien meilleur. Alors le reste des autres le reste des autres licences, j'ai pas du tout eu l'occasion d'y jouer. J'ai démarré tout de suite par Origin. Voilà. Donc je suis vraiment un novice hein, concernant la licence Assassin's Creed. Voilà. Bon, après on verra, on va voir un peu. J'espère qu'ils vont pas trop se précipiter. Enfin qu'ils vont rectifier ces fameux bugs comme tu dis Dante. Et puis que ça sera pas bah, que ça va pas jouer encore un petit peu sur les qualités de Ubi. Ubi sait faire de bons jeux comme de moins bons jeux également. Ils savent faire quand même certaines choses qui font que je vais pas dire c'est un des meilleurs parce que faut pas oublier tous les gros soucis qu'il y a pu y avoir sur différents jeux comme Ghost Recon Breakpoint que j'ai adoré d'ailleurs. Ghost Recon Breakpoint, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé, que j'ai fait d'ailleurs en live et que j'ai terminé aussi en live. Par rapport à Witland, il va falloir que je m'y remette aussi. J'avais démarré Witland avec d'autres streamers et d'autres viewers et je l'ai mis un petit peu de côté. Et puis Breakpoint, je sais pas, ça m'a alors que c'était pas, c'est peut-être pas un des meilleurs.
Il était assez buggé, il y avait pas mal de soucis au niveau du gameplay et puis des bugs. Certains bugs étaient assez flagrants. Voilà, quelquefois c'était même pas normal d'ailleurs de se retrouver avec des genres de bugs comme ça. Mais j'avais bien aimé Breakpoint. Voilà, j'ai passé un bon moment sur ce jeu-là. Et puis je pense que par la suite, encore une fois, c'est tout des projets, toutes des envies hein, de jouer. Tout dépendra encore de la forme du bonhomme. Voilà, si j'ai pas la pêche, si j'ai pas la santé derrière, malheureusement tout ça, ça sera tout simplement reporté à plus tard. Voilà. Mais j'avais bien aimé le Breakpoint. Ah, tu préfères Odyssey? Ouais, j'ai largement préféré Odyssey à Origine. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est une question de goût. Hein. Alors, moi, j'aime bien l'univers de l'Égypte. Tout ce qui est Égypte, etc. La Grèce, un peu moins. Ça m'a beaucoup moins attiré. Alors, est-ce que c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être moins accroché Odyssey? Voilà, possible. Après, c'est toute une question de goût, une question de. Voilà. On a, heureusement, tout le monde a des goûts différents. Voilà. Et ça, c'est. Mais je dis pas qu'Odyssée est mauvais, hein, parce que de toute façon, si je l'aurais trouvé si mauvais que ça, je l'aurais déjà désinstallé. Hein. Mais je le continuerai, ça je le continuerai, mais j'ai pas été happé comme avec Origin, tout simplement. Voilà. Je les ai quasiment tous faits, d'accord. Ok, ouais, grand passionné de cette fameuse licence Assassin's Creed, ça c'est génial. Allez, on y va, on va essayer de crafter un tout petit peu, les amis, on va voir ce que je peux améliorer. Alors là, j'avais amélioré la cadence de tir. Ben, je vais améliorer la stabilité, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va améliorer la stabilité du pompe. Voilà. Alors, remplacer les crosses pour réduire le recul et améliorer la stabilité de l'arme. Confectionner. Voilà. Waouh, super ce fusil à pompe. Moi j'aime bien généralement utiliser ce genre d'armes, même si c'est pas à courte distance, c'est plus pour du corps à corps, on va dire le pompe. Hein. À longue distance, c'est pas génial. Ah non, je peux plus rien améliorer, je pense pas. Hein. Non, je pense que c'est mort. Hein. Pas persuadé, attendez. Ah si, je peux encore améliorer certaines choses. Ici, je peux améliorer remplacement le ressort du chien pour augmenter la cadence. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Revolver, le pistolet. On va améliorer peut-être le pistolet, alors si c'est ça, si on peut. En vrai, passionné, oui. Et non, j'adore les jeux d'infiltration. D'accord. Et les Assassin's Creed étant quand même la référence. Oui, c'est vrai que c'est réservé. C'est des jeux d'infiltration, c'est sûr et certain. Tout ce qui est Assassin's Creed. Voilà, ça reste vraiment une licence réputée pour ça. Ouais, bah, le politique, ouais, voilà, c'est un peu. Ouais, oui, c'est un peu. On va pas dire qu'ils pensent pas un petit peu. Ils pensent plus vraiment aux joueurs. Ça reste un peu. Je vais pas dire une boîte à fric, mais. Voilà, c'est un peu ça en fait. Quand on voit déjà les prix des DLC et ceci, cela, c'est un peu ça, je pense. Hein. C'est ça ce que tu veux dire. Ubisoft n'est plus, à l'heure actuelle, n'est plus ce que c'était avant. Voilà. Beaucoup de trop de choses qu'ils ont changé et c'est en notre défaveur, on va dire. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, ça c'est tout le temps. C'est pas évident. Bon, moi je vais améliorer que la cadence. Hein. On va améliorer que ça, voilà, tout simplement. Pas s'embêter. On va améliorer la cadence du pistolet, du revolver plutôt. Voilà. Mais après, c'est un petit peu comme toutes les boîtes de pro, hein, de production de jeux vidéo. Hein, ça restera. On est un petit peu les vaches à lait, on va dire. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'hésite maintenant. J'achète de moins en moins de jeux en avance. Parce que j'ai déjà eu des surprises de précommander un jeu où les journalistes avaient donné des avis des plus extraordinaires. Et puis quand tu arrives devant le jeu, tu te dis, ah ouais, quand même, tout compte fait, ça me plaît pas vraiment. Voilà. Voilà, donc j'attends un petit peu d'avoir, sur certains jeux, hein,
Comme je disais tout à l'heure, Vailala, je vais le prendre. Parce que je suis happé par ce genre d'histoire-là. Parce que tout l'univers des Vikings, c'est un univers que j'adore. Je ne suis pas persuadé que tu signes en ressorti un autre sur un autre sujet. Je suis peut-être pas persuadé que je l'aurais pris, quoi. Voilà. J'aurais peut-être entendu vraiment d'avoir des avis de joueurs. Pas de journalistes, bien sûr. Désolé. Je suis désolé de répondre à ça, mais les purs journalistes, hein, pas. Voilà, il y a certains. Enfin, les plus connus, on va dire. Certaines réactions de journalistes de jeux vidéo qui font que. Je vais pas dire qu'ils nous cachent la vérité, mais leur avis. Après, on n'est pas obligé de s'y tenir. On n'est pas obligé de faire attention à ce qu'ils indiquent, mais voilà. Alors, maintenant, je regarde de moins en moins tous les avis de tout ça. Voilà. C'est surtout ça. Ouais, à un moment, il sortait quand même un Assassin's Creed. Ouais, bah ouais, tous les ans, ouais, voilà, c'est même de trop. En fait, c'était même de trop. Et peut-être pour faire un jeu, généralement, un jeu qui sort tous les ans, généralement, après, il y a des défauts. Voilà, tu peux pas faire de la qualité en ayant un jeu qui sort tous les ans, quoi. C'est pas possible. Ça demande un travail incroyable et on sait qu'obligatoirement, c'est pratiquement infaisable. Voilà. Il vaut mieux attendre 2-3 ans pour une suite que de sortir tous les ans une suite d'une licence. Voilà. Ouais, dire des Ghost Recon, ouais, c'est 16 sur 20, ouais, bah, c'est pas trop mauvaise. Ouais, voilà. Ton nom pas mérité, oui, voilà. Ouais, Ghost Recon a été critiqué, le Breakpoint. Hein. Alors moi j'ai adoré. Hein. Moi je sais qu'il a été il a été allumé dans tous les sens, Ghost Recon Breakpoint. Moi j'ai adoré. Même si il n'est pas parfait. Hein. Alors là, je ne parle pas le nombre de bugs que j'ai pu rencontrer sur PC. Mais j'ai bien aimé. Enfin, je sais pas, j'ai tout de suite accroché. Wheatland reste très bien aussi, Wheatland, mais il faut que j'y retourne. Mais voilà, j'ai même pas d'ailleurs compris pourquoi j'ai préféré continuer sur Breakpoint que sur Wheatland. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, tout simplement. J'ai été beaucoup plus happé par l'histoire de Breakpoint. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment amélioré du coup attendez, je vais revérifier. Je reprends. Pour toi, Dante, la note méritée de Ghost Recon, c'était quoi? Par rapport à ce que tu. Je sais pas si tu as pu le faire, Breakpoint. Voilà. C'était surtout parce que c'était un ancien Ubisoft qui a été testé. Ah oui, d'accord. Il n'a absolument pas parlé des bugs du jeu dans les tests. Ouais, généralement, on les cache. Généralement, il les cache, les bugs. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Non, non, bah si, c'est bon, j'avais amélioré la cadence. Donc on est bon, les amis. Voilà, j'ai bien fait mon amélioration au niveau de mon revolver, de mon pistolet, parce que c'est rien à voir. Voilà, le revolver et le pistolet est complètement différent. Bon, on est pas mal. On continue. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Allez, on repart là-haut. Ok. Après, ce que des avis, moi, mon avis par rapport à ce que je peux vous dire, c'est vraiment un avis de. Moi, je me considère tout le temps comme débutant dans le jeu vidéo. Hein. Voilà, il faut savoir que j'ai démarré assez tard à jouer au jeu vidéo. Hein, parce qu'avant, ben avant, j'avais une activité professionnelle. J'ai quand même, bien que là, à l'heure actuelle, je ne travaille plus, je suis en invalidité hein, avec mes soucis de santé. J'ai quand même travaillé plus de 20 ans, voilà, donc bah, j'avais pas le temps, j'avais vraiment plus le temps avec la vie familiale, etc. J'avais pas le temps de faire du jeu vidéo. De temps en temps, je jouais sur la PlayStation, mais j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux jeux vidéo bah, suite à du fait que bah, j'avais plus d'activité professionnelle, voilà, c'est surtout ça. Donc j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, à jouer beaucoup plus sur les jeux. Mais au départ, moi, ma passion, comme j'avais dit, hein, c'était l'informatique. Moi, j'ai pas connu les toutes premières consoles Sony ou les toutes premières consoles Xbox. J'étais sur ordi, sur des ordinateurs, hein, voilà, des anciens ordis comme les Amstrad, comme les Atari. J'ai connu l'époque des disquettes, l'époque des écrans monochromes également. Donc vous voyez, hein, voilà, moi ça, par contre, ça me parle. Voilà, vous allez me parler de la toute première Sony, première PlayStation. Moi, si vous me demandez sur quel jeu j'ai déjà joué sur ça, je vais pas vous dire, hein, parce que j'ai démarré vraiment très tard.
Voilà, la toute première console que j'ai pu avoir, c'était la PlayStation 3 par rapport à mes filles, qui voulaient forcément, ils voulaient également connaître un petit peu l'univers du jeu vidéo. Hein, voilà. Hein, c'est normal quand tu es ado, le jeu vidéo, généralement, ça attire un petit peu tout le monde. Et il n'y a que comme ça vraiment que j'ai commencé à m'y mettre sur console. Mais sinon, à part ça, c'était les ordis. Hein. Voilà. Je suis tout le temps resté sur les ordis. La console, comme je vous dis, j'ai démarré assez tard. Ici, on est sur quoi? On va aller vérifier. Je ne sais plus si j'étais déjà passé là ou pas. Ah, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé un peu, d'accord. Alors. Ah oui, Sega, tu vois, même ça, j'ai pas connu ces consoles-là. Hein. Sega Saturn ou la Nintendo 64, d'accord. Ah, je sais plus laquelle. Ouais, non, même ces genres de consoles-là, j'ai pas du tout connu. Voilà, moi j'étais directement sur du PC. Voilà. Parce que bon, déjà aussi, mais bon, les consoles à mon époque coûtaient assez cher. Mais mes parents n'avaient pas trop les moyens de me payer une console. Et pour les ordinateurs, ben, je me débrouillais un petit peu par moi-même pour me le payer. Parce que bon, voilà, c'était comme ça. Hein, voilà. Alors je faisais des petits travaux, des petits. Voilà, j'allais à gauche et à droite pour me faire un peu d'argent de poche. Et c'est comme ça que je me suis payé mon tout premier ordinateur. Voilà. Et c'est un peu comme ça que j'ai. Attendez, est-ce que je suis venu ici? Avant de m'éloigner de trop, je préfère revérifier vraiment si j'ai vraiment fait tous les bâtiments. Bon, vous voyez, celui-là, j'ai même pas fait. J'ai bien fait de revenir là. Hein. Un peu plus, j'allais partir sans fouiller ce bâtiment-là, vous voyez? Ah, la Saturne, ah oui. Ah ouais, Saturne. Ça me parle hein, de nom. Hein, je connais hein, ce nom, la Saturne. Mais je pourrais pas te dire vraiment à quoi elle ressemble. Voilà, tous ces univers-là, j'ai pas connu. Ouais, bon, on va me dire, voilà, j'ai connu l'Atari, le Commodore 64. Là, d'accord, là, je connais, forcément, ça reste des ordinateurs. Le CPC 6128 de chez Amstrad. Il y avait quoi également? Voilà, le CPC 6128, c'était sur des disquettes. Il y en avait même un où tu lisais les jeux sur des cassettes. Voilà. Comme des cassettes audio. Et ton jeu se trouvait sur une cassette, tout simplement. Voilà. Avec un écran monochrome. L'écran était de couleur verte. Voilà. J'ai connu cette époque-là, vous imaginez. Donc ça, c'est que des bons souvenirs. Alors pourtant, j'ai des problèmes de mémoire. Hein. J'ai énormément de problèmes de mémoire. Ma mémoire est. Quelquefois, j'ai oublié des choses très rapidement, mais ce genre de truc-là, non, ça reste inoubliable. Voilà, parce que je sais pas, c'est comme ça. Ça fait partie de mes meilleurs moments, certainement, je sais pas. Mais ça reste des éléments que je n'oublie pas, tout simplement. Allez, on va refaire un peu le tour vite fait, les amis. On va un petit peu si j'ai vraiment vérifié tous les bâtiments. Ouais, salut Fabs, coucou Fabs. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça ici, je suis venu. Il y avait un truc à l'étage ici, non? En tout cas, merci d'être là, Fabs. On parlait justement un petit peu des anciennes générations de consoles que moi, j'avais pas connues. Voilà, on était en train de parler un petit peu des anciens, des nouveaux, d'anciennes générations de consoles. Non, je peux pas grimper là-haut. Je pense pas que je peux grimper là-haut. Je sais pas, ce bâtiment là-haut, je suis pas allé moi. Pas passé là-haut. Hein. Je sais même pas si d'ailleurs on peut y aller. Pourquoi pas? Possible peut-être d'y aller là, ici, par le. Non, par ici peut-être. Non, non, même pas. Bon, c'est pas la peine. On va éteindre la torche. Donc, ça, ici, je suis venu. On continue à fouiller. Ah, bof. Ah, d'accord. T'es pas top top pour toi, Fabs? Ah, j'espère que c'est pas trop grave. Pas trop de morale ou une mauvaise nouvelle quelque part. Après, tu es pas obligé de me répondre, hein, mais ouais, j'espère que ça va s'arranger pour toi.
Ah, pas toi, ah, d'accord, ok, Fabs. Ok. Bon, ben. J'espère en tout cas que c'est pas trop grave pour la personne concernée, voilà. Alors, attendez. Si. Ben non, je suis venu ici, hein. Attendez, attendez, est-ce que je suis venu ou pas? Oui, je suis venu ici, c'est pas de doute. J'ai récupéré d'ailleurs des stimulants, voilà. Ah, merde! Ah, d'accord. Ah, ouais, avec ce système de Covid. Ah, mince. Ah, bah, je peux te souhaiter que bon courage, et déjà, je souhaite un bon rétablissement à ta maman, surtout. Ouais, je bon, je vais pas trop te poser des questions parce que ça reste dans la vie privée, mais je peux te souhaiter bon courage à toi et à ta maman également, et surtout un bon rétablissement. C'est pas évident. Voilà. Ah mince alors, ça devient des nouvelles malheureusement qui. Ouais, c'est pas tout le temps agréable à apprendre ou quand, ouais, quand tes proches vont à l'hôpital, c'est jamais bon. Puis surtout à cette période-ci, hein, voilà. Avec le Covid, c'est pas simple du tout. C'est pas simple et c'est pas évident, malheureusement. Ouais, je peux que souhaiter un bon rétablissement surtout. Voilà. Garde le moral, je sais pas que c'est. Je sais bien c'est que des paroles, mais bon. Pas facile, des épreuves comme ça. Ouais, bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Bon, alors, on a fait le tour. Allez, c'est parti. C'est par ici. Je fais comment pour monter? Oh, c'est quoi ça? Ok. Bon, en tout cas, bon courage à toi, Fabs. Et à ta maman également. Hop, ici, il y a eu un petit peu de mouvement. On va passer par ici. On va aller voir un peu dans le fond, si on peut pas récupérer certaines choses. Voilà. Ici, on a un bâtiment. Ben, on va aller voir. On va aller voir, je suis curieux, donc on va aller voir ça. Bon, je sais pas si je pourrais y aller d'ailleurs. Je ne pense pas. On va passer par ici pour voir. Ah, je peux créer quelques cocktails. Non, non, attendez. je veux créer quelques cocktails. C'est X, voilà. Voilà. Ouais, y a pas de soucis. Enfin, ouais, je comprends que tu peux pas trop en parler. Ça reste dans la vie privée, mais en tout cas, y a pas de soucis. Voilà, moi c'est pareil, hein. J'ai eu quelques mauvaises nouvelles également ces derniers temps là. Quelqu'un que je connaissais depuis un petit moment et malheureusement lui il est à l'hosto aussi et alors que c'était quelqu'un qui avait jamais eu de soucis de santé. Il a fait tout simplement un AVC, voilà. Donc c'est quelqu'un qui était fort actif dans la vie de tous les jours. Il bougeait énormément. Voilà, il profitait un maximum de la vie, voilà, c'est une personne qui n'hésitait pas à partir en vacances, etc. Et là, du jour au lendemain, il a fait un AVC. Et voilà, il est malheureusement paralysé d'un côté. Il pourra plus marcher, malheureusement. Et alors que c'est une personne qui avait jamais eu de soucis de santé. Alors j'ai su ça la semaine dernière, ça m'a fait un petit coup dur aussi. Ouais, c'est pour ça, faut profiter de la vie, hein. Même si c'est pas tous les jours marrant, on profite un maximum parce que on est malheureusement si vite tombé, on va dire. Hein. Voilà, on va pas partir non plus dans la comment dire dans la panique, hein, mais c'est là qu'il faut profiter de la vie tant que vous pouvez. Voilà, les choses que vous voulez faire tout de suite, faut le faire tout de suite. Faut pas revenir à se dire ah bah ben non je le ferai demain ou dans quelques jours. Parce que la preuve en est, cette personne-là, malheureusement, ne pourra plus vivre comme avant. Et ça, c'est les boules, quoi, on va dire. Voilà. Allez, Royouane. Royouane. Merci d'être là. Bon, moi, je pense que je peux plus confectionner grand-chose. Hein. Non. Non. Je pense que c'est bon. Hop. Alors.
Non, c'est pas trop ce que je voulais utiliser. C'est pas vraiment ça. Alors je galère encore un petit peu avec, avec mes touches forcément. Je pense que je vais peut-être pouvoir casser. Voilà. Bon, je pourrais peut-être plus prendre la brique. Mais il me dit que je suis plein donc. Alors j'espère que je suis pas venu ici par hasard, que je vais pouvoir récupérer des bonnes choses. On va voir. J'ai une phrase qui dit « Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut l'en faire le jour même. » Exactement. Voilà. Si vous avez des choses, des projets, même si ce n'est pas tout le temps facile, ça c'est une bonne phrase, Johan. Faites-le tout de suite. Voilà. Si vous avez des projets, je sais pas, si vous dites « Allez, demain, je pars une journée où je veux partir une petite semaine par un tel endroit. » Il faut le faire. Voilà. Il faut le faire parce que la preuve en est, hein, cette personne-là a croqué la vie à 100% et puis ben, par rapport à son AVC et, ah, je ne vais pas dire que c'est devenu un légume, mais malheureusement, il a perdu toute une autonomie. Voilà, il va galérer à se remettre en place parce qu'il y aura bien sûr une rééducation, mais il va avoir du mal à s'en remettre. Hein, voilà. Voilà, c'est pas simple. Quand tu arrives sur des coups durs comme ça, il faut être fort. Moralement, il faut être fort. Voilà, c'est surtout ça. Pas baisser les bras, hein, parce que bon. Encore une fois, c'est que des paroles, comme je dis tout le temps. Et voilà, faut croquer la vie en pleine dent, hein, voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est surtout ça, c'est important. Voilà, il faut tout le temps faire ce que vous avez envie de faire, voilà. Même si ces derniers temps, rien n'est simple, ni évident, mais voilà. Alors ici, je pense que j'ai fait le tour, j'ai vraiment récupéré ce qu'il fallait. Voilà, donc ça c'est bon. Et si on faisait une petite sauvegarde? C'est ce qu'on va faire. Il est quelle heure? 12h30. Bah c'est bien, on est encore ensemble pendant une bonne petite demi-heure. On va pouvoir continuer à avancer un petit peu sur ce jeu. Bon, cet après-midi, il y aura certainement un live. Alors, j'ai quelques occupations dans l'après-midi. Je suis pas sûr que ça sera sûr à 100%. Je n'en sais rien. Encore, ça dépendra encore une fois de ma forme. Si ça va encore à peu près, je ferai un live. Cet après-midi, sinon ça sera. Alors attendez, peut-être demain. Ouais, peut-être demain, on va voir. Voilà, j'ai pas mal de choses de prévues cette semaine, donc. Voilà, de toute façon. Je sais que je suis pas très actif sur les réseaux sociaux ni sur Discord. Voilà, donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez un petit peu comment fonctionne la chaîne. Voilà. Si vous me voyez pas, c'est que ça va pas, et puis tout simplement. Voilà. Dans pire des cas, tout le temps Discord qui annonce le live ou Twitter. Voilà. Alors, du coup, je vais passer par ici. Est-ce que j'y suis allé, là? Je me suis plus. Je ne sais plus si je suis venu ici ou pas. Ah, mais quelle mémoire. Non, bah oui, sinon je suis déjà venu. Ah, bah non, regardez, j'ai loupé un courrier. Ah, j'avais loupé ce fameux courrier. Alors, il parle des Wolves. Se sont introduits dans le QG de Fedra et ont trouvé la liste des déseffectifs. J'ai entendu dire qu'ils allaient de maison en maison à la recherche de soldats. Je refuse d'être exécuté dans ma propre ville. Quand les choses se seront calmées, j'essaierai de revenir sur une nouvelle identité. Sous une nouvelle identité, excusez-moi. Je n'ai pas trouvé Alfie. J'ai laissé son stock de nourriture sur ton porche. Ah d'accord. Si jamais je ne reviens pas, faites-lui le plein de caresses de ma part. Il a toujours aimé Sophia et toi, Yolanda. Ok. Voilà, en tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir. Parce que bon, c'est vrai que le fait d'être de moins en moins actif, je pense qu'à mon avis, peut-être certains passeront peut-être de moins en moins sur la chaîne. Mais ça fait plaisir de voir que vous êtes tout le temps présent malgré mes quelques jours d'absence ou mon irrégularité dans les lives, on va dire ça. Hein. Je suis moins régulier qu'avant, mais bon. C'est comme ça, que voulez-vous, on n'a pas le choix. Allez, entrée du journal. Mais vous savez très bien qu'il y aura tout le temps des lives sur la chaîne. Même si je suis moins régulier. Voilà, bah, par contre là, ce week-end, je vais être pris un peu ce samedi. Avec Cœur de Gamer. Il y a un événement qui va être en coopération avec Andy Gamer. Ils vont faire un live... Un live caritatif pour l'association Andy Gamer. Voilà.
Voilà, bon, on m'avait demandé de streamer, on m'avait demandé de participer au niveau des lives, mais j'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas retenir un créneau horaire sans savoir si j'allais l'assumer. Voilà. Voilà, on m'avait demandé, ben, étant donné que c'était un truc qui me tenait à cœur également. Je suis une personne en situation de handicap, donc c'est vrai que c'était peut-être l'occasion de également de donner un peu mon coup de main ou participer à ce genre d'événement. Et mais j'ai pas voulu parce que je ne suis même pas sûr de pouvoir déjà être présent le jour-là avec la santé qui est complètement aléatoire. Je peux être très bien pendant 1 heure et pendant l'heure précédente être très 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 mal. Voilà. Voilà, en ce moment j'ai des pics de douleur qui font que bah, je suis obligé de m'allonger tout simplement. Voilà, je suis obligé de me reposer et puis pas faire grand-chose. C'est comme ça, c'est devenu comme ça. Il y a des périodes où je souffre énormément, donc bah, quand c'est comme ça, j'ai envie de rien faire. Hein, voilà. Mais vraiment rien faire, hein, à part me reposer, c'est tout ce que je peux faire. C'est comme ça. Bon, j'ai beau avoir de la morphine, mais la morphine, je peux pas en prendre en surdose parce que c'est pas bon pour moi et c'est comme ça. Ouais, comme tu dis, ouais, maintenant c'est un peu ça, c'est la santé avant tout, comme tu dis, Yohan. Exactement. Et ça va être comme ça dans les mois à venir. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer chez Cœur de Gamer. Donc c'est à partir de 14h. Il y a également 10 gamers qui vont démarrer leur événement du samedi. Hein. Ils vont démarrer en matinée, il me semble, en début de je ne sais plus exactement les horaires. Je sais que Cœur de Gamer va être solidaire avec eux. Donc je serai présent en tant que modo, hein, modo, on va dire suppléant, pas principal. Je serai là pour accompagner cet événement-là. Je serai peut-être pas tout le temps là, il y aura des passages, peut-être je serai obligé de me reposer. Voilà. Mais bon, c'est un truc qui va me tenir à cœur et bah, je vais y participer à ma façon. Alors que j'aurais pu éventuellement streamer pour eux. Mais bon. Je préfère pas monopoliser un créneau. Et moi, j'aime pas dire oui, voilà, je serai là. Je vais prendre tel et tel créneau et pas pouvoir l'assumer. Alors là, ça me rendrait vraiment mal à l'aise. Et j'aime pas dire, voilà, je préfère plutôt être sûr à 100% de pouvoir assumer que de ne pas le faire. Voilà. Donc c'est pour ça, je préfère pas trop m'avancer et dire oui, ok, je serai là. Et peut-être que je pourrais même pas le faire, quoi. Voilà, je préfère pas. Donc. C'est comme ça, j'ai pas envie de dire oui, je serai présent et voilà, tout simplement. C'est un peu ma façon de raisonner. Peut-être que Alors, je peux aller là-bas. on va passer par ici peut-être. Bon, de toute façon, vous allez le voir en host automatique, hein, samedi, il y aura des hosts. Voilà. Bon, après, je force pas, hein, je vous force pas à aller. Mais allez juste aller faire un petit coucou, allez les encourager, c'est important. Voilà. Encore une fois, c'est. Il n'y a pas d'obligation de don, etc. Mais déjà, le fait de venir les encourager, faire un petit coucou, c'est aller follower leur chaîne également. Voilà, c'est surtout ça. Donc ici. Ah, attendez, apparemment, on peut récupérer des trucs ici, mais comment tu fais? Comment tu fais pour les récupérer? Allez, verrouiller. Donc j'ai peut-être loupé une clé. On va fouiller. C'est pas grave. Il y a peut-être une petite clé à récupérer ou passer ailleurs. Par les toilettes, peut-être, je ne sais pas. Allô? Ici. Regardez. Ben voilà. Oui. Vous Dégueu. voyez, j'ai bien fait, hein, j'ai bien fait de revenir ici. Hein. J'aurais peut-être tendance à pas bien observer. Voilà. Si cette plaie s'est bloquée, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer ou pas du tout. On verra. Quand tu as une pièce verrouillée, apparemment, il va falloir que je m'intéresse. J'ai peut-être loupé des choses d'ailleurs. Parce que j'ai déjà rencontré des endroits où il y avait des pièces verrouillées, mais je ne me suis pas trop attardé dessus. Et on dirait qu'il y a tout le temps une possibilité de pouvoir y accéder. Voilà. Donc ça, je vais peut-être louper quelque chose pour crafter ou autre, pour améliorer, on verra. En attendant, je suis passé. C'est important. Ou récupérer peut-être des courriers ou des infos. Bon. Voilà, faudra vraiment que je fasse attention à ça.
Ouais, tu l'as bien vu plus rapidement que moi. Ah ouais. Mais encore, j'allais partir, hein. J'allais vraiment, vraiment partir, Dante. Je me suis dit, bon, il n'y a plus grand-chose. Mais je ne sais pas, on m'a donné. Je ne sais pas si c'était pas si. Je sais pas, j'avais envie d'y retourner. Je me suis dit, il y a peut-être encore quelque chose. Mais je suis vraiment retombé par hasard, hein, sur cette bouche d'aération. Hein. Mais vraiment. Mais je suis persuadé encore une fois que j'ai loupé des endroits importants. Voilà. Alors ici. Ah ouais, tu voulais passer par la fenêtre casse-tête. Oui, celle où il y avait la porte de bloquée, où c'était marqué verrouillé. Tu voulais passer là. Ouais, non, après, je te dis, j'aurais pu la louper, ce conduit de. J'aurais pu le louper également. Hein. J'aurais peut-être pu passer à côté. Hein. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Mais du fait que je suis fou, là, au niveau munitions et tout ça, voilà, pour. On ne sait jamais, hein, si on a vraiment besoin énormément de munitions. Bah vous savez qu'il y a cette pièce là pour ceux qui auraient l'intention de le faire par la suite ou de le refaire. Ou voilà. Donc ici, bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. C'est pas des plus extraordinaires cette pièce, mais c'est utile. Voilà. De toute façon, regardez, je suis vraiment, vraiment. Mais vraiment fou le niveau. J'ai full stuff là apparemment. Ok. Journal. Non, bah, je pense qu'on ne peut rien faire d'autre. Hein. On ne peut pas crafter pour l'instant. Allez, on y va. Bon, on sait qu'on a des munitions ici. Voilà. Vous savez que dans cette pièce-là, il y en a. Ouais, tu voulais passer par ici, certainement, là. Ici. C'est ça que tu veux dire, Dante? Ouais, bah, j'aurais peut-être pu tenter de passer par là aussi, c'est vrai. Alors, ici. Ah, au-dessus du frigo, d'accord. Cette fenêtre au-dessus du frigo. Attends, je peux regarder. Le frigo. Non, c'est pas celui-là. Donc là, on a ouvert. Ouais, je le vois pas, attends. Je vois pas ce fameux frigo. Attends, ici. Non, bah tu vois pas. Tu vois, j'ai pas le même sens de l'observation que toi. Non, je vois pas du tout, tu vois. Bon, c'est pas grave. Mais dans le pire des cas, on a quand même réussi à trouver un moyen d'y rentrer. Alors ici, ça c'est quoi? Là, on est venu, là, je pense, hein. Je ne sais plus. Je m'en rappelle plus. Ouais, on est venu. On est venu ici. Ouais, non, mais je pense que c'est bon, là. Ah, dans la pièce, d'accord, ok, Dante. Bah, ok. Bon, on fait le tour, encore une fois. Alors après, il y a un bâtiment... Bâtiment qui se trouve là-bas, donc on va passer par là. Certainement, on va certainement devoir prendre l'échelle. Voilà. Ok. Bon, là, on y va. Hein. Là, c'est fini. J'ai fait le tour. Hop. Ah, c'était dans la pièce, d'accord. Voilà. Mais vraiment, regardez tous les détails ici, les feuilles mortes, etc. Ouais, Naughty Dog, franchement. C'est les meilleurs. Voilà, ici. Là, on n'a rien. Attendez, par où je vais passer? Là, je vois pas. Je vois pas du tout. Non, ici, peut-être par le conduit, même pas. Non, on ne peut pas. Avec le fond là-bas, brumeux, regardez, c'est vraiment bien fait. Avec le climat un peu tempéré, on va dire, un petit peu dans la pluie. Le climat humide. Non, mais c'est vraiment bien foutu. Non, je peux pas monter sur cette palette. Ici, peut-être. Non, on peut pas. Bon, bah, je pense qu'on va devoir passer ici. Hein. On n'a pas trop le choix. Ah, merci pour le host, Yohan. Oh là, il y a un chien en plus. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon pour moi. Maintenez R1 pour visualiser vos traces. Non. Silencieux. On va prendre le silencieux. C'est clair. Il y a le petit chien-chat qui va me gêner, là.
Mince. Trop tard, trop tard. C'est foutu. Désolé les chiens. Non, non, non. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. On va prendre le pompe du coup là. On va prendre le pompe. Alors désolé, je suis encore un peu... je cherche encore après mes touches. Hein. Malheureusement, ça me pénalise encore une fois. Attends, il est où? Et... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries autant? Ah, tu t'es pris une balle, c'est sûr. Pour moi, c'était le jour d'après. Ah, d'accord. Je pense que je suis blessé, non? Ouais. On va se soigner, les amis, parce que là, je suis blessé. Je n'avais pas fait attention. Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Je panique, je panique, je panique! J'ai tendance à utiliser beaucoup mes balles d'ailleurs. Et je devrais peut-être pas, hein, parce que je sais que j'ai un. Non, j'ai pas. Non, j'ai même pas de masse. Je fais pas trop de. Le pont, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, d'accord, contre les humains, moi je le garderai. Ouais, contre les zombies, ouais. Ah, t'as pas tort. Je pense que ton idée est très bonne d'ailleurs. Parce que les zombies, ça sera plus du corps à cœur. Parce que le zombie va venir sur toi. Ouais, c'est peut-être pas plus mal de d'utiliser cette façon là. Alors je suis obligé de rigoler. Regardez un petit peu ici. Le visage. Bon, je rigole, ils sont morts. Mais bon, heureusement que c'est que du virtuel. Mais j'adore le visage de cette personne. Et ils sont posés l'un sur l'autre. C'est assez étrange. Bon, voilà. C'est particulier. Alors ici, qu'est-ce que... Ah ouais, créer un silencieux. Voilà. Là par contre, on va prendre le temps de... On va réutiliser le silencieux surtout. Ah non, le gros souci, c'est encore une fois, ce sont les touches. J'ai tendance un petit peu à confondre complètement au niveau de mes touches. Ouh, c'est chaud, hein. C'est surtout parce qu'ils sont plus résistants que les humains. Ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Et c'est vrai que le pompe sera beaucoup plus utile sur les zombies, les infectés ou les claqueurs. Et encore. Et étant donné que le pompe fait beaucoup plus de dégâts, c'est une arme à faire beaucoup plus de dégâts. On va essayer de faire attention à ça pour la prochaine fois, c'est de... Vraiment d'utiliser que le pont pour la... Voilà, c'est surtout ça. Alors ici, voilà. Et si on sauvegardait par... quand même, parce que si je... J'ai pas envie de tout refaire. Voilà, on va sauvegarder ici. Hop. Il est quelle heure là? Il est 46. Bon, on va essayer de voir un peu. Voilà, on va essayer de voir pour pas trop se faire opérer. Voilà, vous voyez, hein, de toute façon, le problème, c'est parce que si je... Dans les combats, je joue pas très très bien, c'est parce qu'il y a la... Il y a la panique derrière. Non, on n'a pas... Ah si, ici, attendez. Ah, on a encore des chiens là-bas. Ouais, donc on va essayer d'avancer tout doucement. Ça donne quoi? On a un chien qui se trouve là-bas. Oh, c'est quoi qui m'a repéré? Je crois que j'ai vu quelqu'un. Je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer. Comment ça se fait? Comment il m'a vu? Comment tu m'as vu? Bon bah ils m'ont vu hein, tant pis hein. Tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je dois faire quoi là? Ah, j'arrive pas à les tuer. J'arrive pas à les tuer, les amis. Je suis mal parti.
Oh, je me suis fait dévorer le visage. Et je pense pas utiliser le couteau, je sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à esquiver. Voilà, encore une fois, c'est les touches. Voilà. Tant que ça arrive à mon cerveau, faut que ça arrive à mon cerveau de dire bah, tu peux esquiver ou tu peux utiliser le couteau. Et ça, je le fais pas. Ouais, voilà, donc ça, bah, forcément, ça, c'est la mort directe. Hein. Ouais, ok, c'est vrai, Dante. C'est bien moi que tu veux le jeu en version bourrin. Ah ouais, j'ai une façon particulière de jouer. Hein. C'est pas la meilleure des méthodes. Ne jamais faire ce que moi je fais. Hein. Parce que là, bah, c'est la mort directe. Hein. Allez, Dinos, coucou Nino. Salut Nino, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Bah, comment il va me voir là, lui? Non, mais comment tu me vois? Bah, c'est pas possible. C'est pas possible que tu me vois là. Ah bah, je suis mort là. Là, c'est mort, là, c'est foutu. Hein. Ah, purée, 3 balles. 3 balles pour le tuer, lui. Oh, s'il te voit. Ouais, ils m'ont bien vu là. Ils m'ont bien vu, ils m'ont bien repéré. Hein. Y a pas de doute. Hein. Oh, purée. Je suis mort. Ah, mais c'est sérieux. Il meurt pas. Il ne meurt pas. Je vais mourir. Je vais mourir. Deuxième mort. Yes. Eh ben, c'est pas évident. Hein. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je suis le maillon faible. Au revoir. Voilà. Voilà. J'espère que ça va, Nino, en tout cas. Bah oui, il était devant moi. Mais je prends pas le temps de bien observer, c'est ça le problème. Je prends pas le temps, je sais pas où aller. Dès qu'il y a trop de monde, je perds tous mes moyens. On va ramper. On va se mettre au sol. Voilà. On va se planquer. Au moins, là, c'est sûr qu'il me verra pas. Parce que c'est vrai qu'on peut s'allonger. Non, non, mais moi, je perds tous mes moyens quand il y a trop de monde. Je sais plus comment attaquer, je sais plus comment les. Voilà, je prends peut-être pas le temps d'observer, je panique. Je panique complètement. Attendez, peut-être là, je vais peut-être pouvoir aller récupérer des trucs. Hein. Ah, ah non, attendez. Oh non, 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 on bouge pas. Parce que là, ça va arriver, là. Donc, on va faire le tour. On ira rechercher tout ça beaucoup plus tard, j'espère. Voilà, on en a ici, là-bas. Et la visée, elle est pas vraiment bonne. Enfin, du moins, je tire tout le temps à côté, moi. Ici, peut-être. Là, comme là, c'est pareil. Je sais pas comment faire. Je sais pas où aller. Je suis pas bon du tout. Il y en a un là-bas. Faut prendre le temps. Il faut pas que je me précipite. Non. Ah non, mais comment tu fais pour me voir? Ils ont des yeux bioniques. Ils ont des yeux de Terminator. C'est pas possible, ça. Je ne peux pas bouger là. Ah, et puis vous voyez ça, ce changement de caméra, de position, j'arrive pas à le faire au stick. Voilà. Ah, il a fait le tour lui. Ah, il a fait le tour. On va passer par ici, les amis. Voilà. On reste disque. Pour l'instant, ça va. J'ai été plus loin que d'habitude. J'ai été beaucoup plus loin que d'habitude. Oh, il y a un chien. J'attends le petit chien. Moi, je me dirige toujours vers la cible la plus isolée. D'accord. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, comme ça, au moins, si tu peux éventuellement le tuer au couteau. Parce que là ils sont... attendez, là, il y en a un là-bas. Il y en a un ici. À la limite, je pourrais même attaquer cette charmante demoiselle. Mais c'est pareil, il y en a un là. Ouais, non, mais c'est même mort, hein. Ah, bah, je suis piégé là. Je suis prise au piège. Attendez, mais là, il va me voir. Non, ils vont me voir. Ils m'ont vu. Il est trop tard. Trop tard. Il est trop tard. Ah là là, c'est pas possible. Les chiens peuvent suivre votre ordre de rester toujours en mouvement. Ah oui, d'accord. En fait, faut pas rester immobile.
En mouvement, mais en mouvement, si je me dirige directement vers la... Bah, je pense qu'on va être un moment sur ce passage-là. Ça fait déjà 3 fois que je meurs. On est parti pour mourir plusieurs fois. Voilà. Ça, c'est... Il vient me voir. Mais comment je fais? Je fais comment? Ah, je sais pas comment faire. On repasse là. Je suis pas très bon. Hein. Alors, dans tout ce qui est infiltration, j'ai tout le temps été mauvais. Quand il est question d'être discret, alors moi je suis pas du tout discret. Ah ouais, d'accord, il trace ta. Ah ouais, d'accord. Non, t'as loupé le tuto et tu dis que de lancer la bouteille. Ah, pour distraire les chiens. Ouais, j'ai pas regardé le tuto non plus, c'est de ma faute. Et même si j'aurais regardé le tuto, je pense que je l'aurais déjà oublié. Même si je l'aurais fait, Dante. Si j'aurais regardé le tuto, je pense que j'aurais oublié toutes ces petites astuces. Hein. Alors, on dirait qu'il n'y a plus personne ici. On dirait qu'il n'y a plus personne. Mais par où passer aussi? Comment je fais? Attendez, je sais pas où aller. Là, par contre, je ne sais pas du tout où aller. Mais vraiment pas. Non, tu peux pas me voir là. Là, tu peux pas me voir. Voilà. Allez, on va refaire quelques soins. C'est dommage que j'ai pas d'armes de corps à corps. C'est un peu dommage. Ouais, je trouve ça dommage parce que j'ai rien, j'ai pas de. J'ai pas grand chose. Alors on en a un ici. On en a un là. Peut-être celui-là, je vais peut-être pouvoir l'avoir. Allez. Ah, je vais peut-être pouvoir l'avoir de dos. Alors si j'arrive à avoir déjà un ennemi comme ça, en mode discret, ça sera un événement. Non, tu peux pas me voir là. Voilà. Un soldat en moins déjà, c'est déjà pas mal. Bon, il a pas l'air de bien aimer. Il a pas l'air content. Voilà, bah je suis... eh, franchement, niveau munitions, on a ce qu'il faut. Hein. On a vraiment ce qu'il faut. On sera pas à court de munitions ici. Hein. Voilà. Ah, d'accord, ouais, il lâche ta trace, d'accord. Attendez, on en a un ici. Il y en a un qui se trouve là-bas. Alors, on va essayer de faire la même chose. Mince! Quelqu'un par là! Mince! Fouillez toute cette putain de rue! Non! Non, non, faut pas fouiller! Reste là! Oula, 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 c'est pas bon! Et là, j'ai eu de la chance, hein! Là, c'est un coup de chance, là! Vraiment un coup de chance qu'ils viennent comme ça sur moi! Alors, 2 soldats en moins, déjà, c'est bien! Et si on sauvegarde? Je sais pas si ça va tenir compte! Ils vont tenir compte de ce que j'ai déjà tué. Je ne suis pas sûr. Ah oui, d'accord, il y a un petit mode tuto aussi, c'est vrai. Balancer des bouteilles. Hein. Allez, on va garder le silencieux. Ouais, il faut les tuer un par un, ouais, comme ça, comme tu m'avais expliqué, Dante. C'est bien, merci pour tous tes conseils d'ailleurs. Moi, ouais, j'ai récupéré un marteau. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Je vais faire quoi avec ton marteau? C'est pas Monsieur Bricolage, hein? Ah! Non, il m'a vu! Il m'a vu où? Purée, je... Il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard! Non! Cours, 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 cours! Reste pas là! Reste pas là, reste pas là, reste pas là! Dépêche-toi! Je panique! Je panique, je panique! Ouah, mais là j'ai eu un coup de chance, hein! Il y en a un là-bas! Eh, j'ai eu de la chance, les amis, hein. Vraiment, vraiment un coup de chance! Là, à mon avis, on n'est pas trop mal! Il n'y en a pas d'autres ailleurs? Non, je pense qu'on n'est pas trop mal! J'espère! Il n'y en a pas ailleurs!
Ah, tu peux pas me voir là. Ah ouais. Ah ouais, elle a l'air panique à bord, ouais. Alors ça c'est moi ça. Hein. Ah la panique ça là-dessus. Ça c'est bien moi. Hein. Ça là-dessus, je panique très vite. Voilà, donc on est revenu ici. Elle est passée où? Je pense qu'à mon avis, il reste plus qu'un ennemi, je pense. Alors le problème c'est que j'ai même pas eu le temps de fouiller dans mon sac. Elle est passée là-bas. Ah voilà, allez, attendez. Je vais contourner cet endroit-là. On va arriver. On va arriver. On va essayer d'arriver de dos. Voilà, il y a peut-être moyen de la voir. Hein. Il faut pas qu'elle se retourne par contre. Hein. Oh, attention. Je pensais qu'elle allait se retourner. C'est dommage que j'ai pas la petite arbalète. Voilà. Attendez. Ici. Ah bah non, mais non, mais elle change de pièce à chaque fois. On joue au chat à la souris là. On joue au chat à la souris. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Mais non, mais c'est fini, oui. Elle me troll. Mais c'est pas vrai. Mais c'est fini. Viens ici, dans 2 minutes tu vas être morte. Oh, c'est excellent ce passage là. J'adore. Je pourrais y aller en mode barbare, hein. En mode sauvage, hein. Mais non, on va y aller en mode discret parce que je sais pas si on reste encore décès. Ah voilà, c'est bon. Yes, on l'a eu. Yes. Bon bah je pense que c'est à peu près bon. On est un peu mieux que tout à l'heure. Hein. On est vraiment mieux que tout à l'heure parce que tout à l'heure j'avais vraiment mal démarré. Hein. Voilà, merci encore une fois à tous hein, de votre participation et puis de votre présence. Voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu de monde. Bon, je pense que c'est bon. Quand la musique a disparu, alors le problème c'est que je suis full munitions. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas tout bénef pour moi. Vous voyez, là, au niveau munitions. Bon, on est plein, quoi. Ah, ici, peut-être. Je vais peut-être pouvoir crafter quelque chose, ici. Ah bah, donc, le marteau, j'ai bien fait de le prendre. Je savais pas qu'on pouvait crafter comme ça, ce genre d'armes de corps à corps. Voilà. On n'est pas trop mal. On s'en est vraiment sorti beaucoup mieux par rapport au début. Moi, il faut quelquefois... Moi, je suis comme un moteur diesel. Je suis long au démarrage. J'arrive à bien observer un petit peu ce qui s'y passe. Puis bah Dante, tu m'as apporté également pas mal d'astuces. Merci à toi également. Et c'est vrai que comme Johan a marqué, à l'air panique, Johan me connaît depuis très longtemps. Il sait comment je suis quand je suis en pleine panique. Voilà. Ça là-dessus, bah, je pense qu'on est bon, on est bien, on est superbe. On est impeccable, il est 13h. C'est quoi ici? Il y a quelque chose dedans, là-dedans, non? Ouais, je serais encore capable d'aller là-dedans, bon, pour voir s'il n'y a pas des trucs. Je crois que je vais faire le tour vite fait du bâtiment. Et puis, on va stopper pour ce matin. Peut-être que cet après-midi, il y aura un live. Ou pas du tout, hein, donc soyez pas surpris si vous ne me voyez pas. Voilà, voilà, donc je ne vous promets rien, mais si je peux faire un petit live cet après-midi. Bon, ça sera certainement tout le temps à peu près vers 17h. 17h, 17h30, voilà. Et sinon... on aura certainement l'occasion de se retrouver, peut-être pourquoi pas demain ou dans 2 jours, je ne sais pas encore. Voilà. Pas trop prévoir l'avance. Ça c'est... Oh, qu'est-ce qu'il est marqué ici? C'est quoi tout ça? On aurait dit un plan. Quelquefois, on peut récupérer quelques infos, on ne sait jamais. Hein. Mm-hmm, voilà. Ok, ça c'est fait. Allez les amis, on fait le tour vite fait des bâtiments. Oh, je vais passer par la porte, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, de toute façon, on est complètement full stuff. Ah, ici, éventuellement. On peut pas crafter quoi que ce soit. Non,
Ok. Ici. Ah, je suis plein au niveau. Bon, je continue à observer, on ne sait jamais quelquefois. Hein. S'il y a des petites choses à récupérer. Ici on n'a rien. Voilà, là, ici, un peu de sang. Ah, c'est de l'alcool. Ok. Alors, je vais faire le tour. Je sais pas si on peut grimper. On peut grimper là-haut. Ok, et maintenant. Peut-être que je peux entrer par là. Bon, là, ils m'ont donné une petite indice, hein, forcément, parce que je traîne un peu de trop dans les parages. Et ils trouvent que je suis beaucoup trop long, donc ils me donnent une petite astuce pour me rendre à tel endroit. Ah, c'est normal. On a vraiment rien ici. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Ouais. Bonjour. Ici on est full. Ah par contre au niveau bouteilles, on a ce qu'il faut au niveau des bouteilles. Hein. Et c'est vrai que c'est sur des choses que j'utilise pas. C'est vrai que je les utilise pas assez, ces fameuses bouteilles. Pour essayer d'attirer les ennemis à tel endroit ou m'en éloigner. Voilà. Bon, moi bah, je pense qu'on a... On a tout simplement fini. Ah ici peut-être. Attendez là. Pas moyen de passer ici et grimper là-haut. Eh ben non. Je suis vraiment. J'essaie vraiment d'accéder. Vous voyez, là-haut, peut-être, il y aura peut-être pu avoir quelque chose là-haut. Hein. Ouais, ici. Mais non. C'est pas concluant. Voilà, ben, je vais arrêter pour ce matin. Merci à tous de m'avoir accompagné. Merci Yohan, Dante. Merci Nino également d'être passé. Qu'est-ce qu'il y a eu Fabs également, bon courage à toi. Fabs, si tu es encore sur le live, bon courage à toi, bon courage à ta maman. Et puis, ça sera avec un grand plaisir de vous retrouver, certainement cet après-midi, sinon dans les prochains jours. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Surtout si on ne se revoit pas, bah, passez un bon 14 juillet malgré tout. Voilà, passez un bon 14 juillet. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bon appétit à vous. Et je vous dis à bientôt. Et je vous envoie plein de bisous. Allez, ciao ciao et à plus tard. Ciao ciao, bye bye. Bisous.
Bye bye. À la voyure.